crois-tu que l'orage est passé? Qu'il passera jamais. As-tu dérivé longtemps dans les eaux déchaînées? Oh, au loin, voici la terre. Est-ce là où la magie opère? Sais-tu encore qui tu es? Car cette île est ta destinée. Chanson est une chanson sur une institution qu'on n'a pas l'habitude de célébrer, ni même de beaucoup mentionner. Voilà, donc c'est pour essayer de corriger ça que j'ai écrit cette chanson. S'assoit calmement. Ici l'on vient, je crois, de partout, mais surtout on revient de loin. Ici les yeux, qu'ils soient jeunes ou vieux, vous racontent un matin pluvieux. Au lendemain d'un brusque incendie qui surprit les plus courageux. Ah, l'hôpital psychiatrique. Un ami, un frère, une mère, un enfant qui, dans la distance, fait ce qu'il peut, comme on sait qu'il avance, on s'acclimate à son absence. Dans le brouillard, parfois comme un phare, un regard semble revenir. Il nous faudra, pour la route à venir, nous tenir à ce souvenir. Ah, psychiatrique. Mmh.
toi calmement. Ici l'on vient, je crois, de partout, mais surtout on revient de loin. Ici les yeux, qu'ils soient jeunes ou vieux, vous racontent un matin plus vieux. Au lendemain d'un brusque incendie qui surprit les plus courageux. Ah, hôpital psychiatrique. La prochaine chanson, c'est une chanson que j'ai écrite il y a maintenant, je pense, 11 ans. Et à ce jour, je ne sais toujours pas ce qu'elle raconte. C'est vraiment... Je sais juste que c'est une image d'un éléphant qui marche au ralenti, comme ça, en slow-mo. Et puis quand il marche, ça fait lever de la poussière. Voilà. Ça parle de ça, c'est sûr. Saveur de mes chimères, des rêves verts.
Alors, ces chansons sont des chansons que j'ai écrites aujourd'hui, mais nous, ensemble, on joue beaucoup de musique traditionnelle américaine, par ailleurs, et donc on s'inspire, enfin, je m'inspire pas mal de ça. Et comme dans toute musique traditionnelle, cet instrument, on appelle ça entre nous le crin-crin. Et donc maintenant, je vais faire un peu de crin-crin. Session, c'est une chanson que j'ai écrite pendant le Covid, pendant ce moment particulier où vraiment Internet ça devenait un champ de bataille. Je sais pas si vous vous souvenez, tout le monde se disputait avec tout le monde sur tout, c'était un peu l'enfer. Et ça donnait envie d'aller se promener dans la forêt et se connecter avec les éléments et la nature. Ou écrire des chansons sur le fait d'aller se connecter dans la forêt. Puisque c'était interdit par la loi, évidemment. Voilà. Okay, it's about to...
chapelle, son bon jugement. Il faut dire que c'est important, je préfère rester devant. Il y a un lieu merveilleux intérieur où la rumeur se tait. Une forêt aux premières lueurs d'une fête achevée. Pas le moindre cri que celui de l'aigle rare. Un peu plus loin, le léger clapotis de la rivière qui au sommet